Bon, j'en ai combien sur moi? Ah bah, ouais, voilà. Moi, je commence à être chargé là. Je commence à être bien chargé. Et j'ai pas tardé à me faire un petit truc à bouffer. J'en ai 50 moi. Je suis plus, attends, j'ai rien. Mais je sais plus c'est combien de minerais pour faire un lingot. Oh putain, je suis à 98. 5. 5. Moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu vois, depuis tout à l'heure, on fait ça tranquillement, dans le silence. Et... Ah, là, on était concentrés. Hein. Ouais, non, mais et, vraiment, sur le long terme, ça paye. Hein. C'est cool, tu vois. Ouais, c'est vrai que là, j'y ai plus rien. Quand puis, bah, ouais, et puis c'est beaucoup plus cool que d'être enfermé dans la mine. En plus, c'est illégal. Non, c'est mieux. On est mieux ici. Ouais, pour le coup, avant la tempête, là. De toute façon, à 15 minutes de la tempête, je décolle d'ici, tu vois. Ouais, bah, je crois que c'est pareil. Hein. Je vais aller au parking qui est pas loin, là. Il y a un parking, tu sais, où il y a l'épicerie, le magasin de vêtements, tout ça, là. Ah. Non, moi, je vais rentrer au PDM, déjà, pour remettre le véhicule là. Et voir ouais. S'il y a des gens qui ont acheté des véhicules. Ok. Après, je repasserai. Bah, avec ouais. Un véhicule. Moi je vais me poser au parking là-bas, là, à côté de l'épicerie. Ouais. Pendant la tempête. Tant que la tempête passe, je verrai un petit bout et puis je reviens, tu vois. Ouais, ça marche. Ouais, c'est vrai que j'ai pas vu l'heure. Il est déjà l'heure là. En vrai, je repense à tout ce que tu m'as raconté tout à l'heure, c'est dingue. Ah bah on a bien rigolé, hein. Là, je m'attendais pas à quitter ça. Hein. Mais qui dit non à tout quoi, le gouverneur c'est vraiment ouf. Et c'était la première réunion hein. Ah c'est la première? Oh, tu me rends dingue là. Ah non, c'était pas la première, c'est pas possible. Ou alors, bah, pour moi... Ah bah, peut-être que pour les toi. Autres, ouais. Ça a été... En fait, pour moi je pense que si chaque entreprise a déjà parlé au gouverneur de leurs problèmes. Et là du coup c'était plus, tout le monde en parlait autour de tout le monde. Ouais, donc il y avait plus de chances qu'ils disent non à tout quoi. Oh putain, incroyable. Un jour je te verrai au rendez-vous. Au rendez-vous à la petite réunion. Ouais, on verra. Pour l'instant, rien n'est fait. Pour l'instant, je me contente de faire mon taf, d'économiser ma thune, mais après, je ne prends pas la tête. D'acheter un autre balleur, il y a plusieurs modèles différents. Non, non. non, j'ai besoin de thunes, mais vraiment beaucoup. Genre, faut que j'économise minimum ouais, 2 millions, tu vois. Donc, ah, les ambitions sont grandes. Au-dessus, c'est le soleil. 2 millions, mais la force. Ah oui, mais c'est pour pouvoir aussi la. Ah, mais il n'y a pas que ça. J'ai dit minimum. Acheter une villa? Non, mais. Tu veux. J'ai tellement de choses en tête, tu vois, mais y a rien de défini encore, tu comprends? C'est pour ça que j'économise et après je verrai, tu vois. Selon comment les choses vont se dérouler, en fait, tu vois, je peux pas savoir. T'achètes une petite supérette? Je connais pas le futur. Ah, la ville est trop peu peuplée pour que ça rapporte. Ça, c'est clair et net. Bah c'est pour ça qu'il disait qu'il n'y avait pas d'impôts sur. Si, il n'y avait pas d'impôts sur les supérettes. Ouais, ouais. Mais t'es pas considéré comme un patron, c'était une supérette. En vrai, c'est une bonne idée, tu vois, ça peut rapporter. Hein, si t'en achètes. En plus, je crois qu'on peut en poser des plus, je crois. Non, c'est pas considéré comme patron, alors tu peux en poser des plus, je pense. Je vois, à mon avis, c'est limité. Mais bref, si tu possèdes une station et une supérette. En vrai, ça peut être rentable, mais faudrait que ce soit plus peuplé, tu vois, parce que de là, de toute façon, c'est si suivant l'endroit où t'achètes, je crois que c'était... Tu peux avoir une supérette et une station, de lavage. Hein. Ah, la station de lavage donc, aussi, tu peux l'acheter? Il a les trois, ouais. Ah, putain. Incroyable. Mais,
Ah, mais il a bien choisi l'endroit, son culé. Mais je crois que c'est gratuit pour nettoyer ses véhicules. Bah, je paye pas, je crois que je paye rien pour nettoyer mes véhicules. Je crois que les nettoyages sont offerts. Ok. Bon, après, je m'en fous, je suis mécano. Mais c'est sûr que c'est moins cher. Hein. Bah, mécano, ouais. On prend notre chiffon et on nettoie le véhicule. Fin de l'histoire. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Mais ouais, en vrai, en soi, je m'en fous de ça, même ça, j'en profite pas, tu vois. Mais. Ouais. Non, en vrai, une supérette, ouais. En vrai, ça peut être rentable, mais faut qu'il y ait plus de peuples, hein, parce que là. En fait, faut qu'il y ait un autre Il faut gouverneur, quoi. choisir Parce que le l'endroit, c'est gouverneur vrai. qu'on a là, il est en train de faire fuir tout le monde à dire non à tout, quoi. C'est pas possible. Bon, on verra comment ça se passe dans les jours qui suivent, hein, je pense. S'il n'y a pas de changement ou que c'est vraiment la merde, je pense que ça va se démonter. Hein. Ouais, j'espère. En tout cas, j'aurais bien aimé voir l'autre qui se fout grand écart sur la table. Ah putain, avant tu m'as raconté des trucs, c'était bien drôle. Bah attends, quand elle est venue, Jessie m'a acheté du coup un véhicule. Elle Ouais. veut se racheter un 4x4 ou un pick-up. Parce qu'ils ont vraiment tout terrain pour le Nord. Elle Ouais. me demande une promo. Je dis, bah ça dépendra du prix que t'achètes ton véhicule. Ouais, normal. Mais du coup, elle regarde, machin, je lui propose, elle dit c'est tout cher. Et je lui propose du coup un Riata. Riata qui est incroyable. Il est énorme. Pour le prix, il a l'air bien. Je crois que c'est une cinquantaine de milliers d'euros, dollars. Voilà, hein, je peux se tromper. Pas de soucis. Et du coup, alors, elle achète le véhicule et ensuite elle va dans mon bureau et elle écarte les jambes. Sur le bureau, elle fait. Alors, tu vas avoir une promo. Je lui dis, mais tu viens d'acheter le véhicule. Fallait faire ça avant si tu voulais essayer d'avoir une promo. Elle dit, ça aurait pas marché, mais. Putain. Incroyable. Elle se moque de ma tenue et elle me dit que elle a une tenue incroyable avec un t-shirt en quantité. Bah, c'est limité pour avoir ce t-shirt. Elle a dit que son t-shirt est incroyable. Et elle me regarde, elle me dit Tu sais c'est quoi son t-shirt toi? Tu te souviens? Marqué 24, 7 jours là, 24-7 avec le nom une supérette. Ouais, c'est 24/7, ouais. Voilà. Et je lui dis, elle me dit. Ah, mais tu moques de mon t-shirt, mais tu sais ce que ça veut dire? Je lui dis, bah ça veut dire que t'es ouverte 24 heures sur 24. Elle s'est vénère devant la concession. Ça a été que des fous rires comme ça tout le monde. Et je crois qu'en vrai j'ai eu une chance incroyable la première fois que je suis arrivé dans ce magasin parce que enfin, dans ce bar là-haut. En fait j'arrive, il y avait personne, enfin il y avait le gars. Et elle sort de derrière, enfin des salles du fond. À poil. Non non non, puis on discute, on était que tous les trois, on discute. Et dans la conversation j'aurais glissé hein, que j'étais d'origine algérienne. Et les mecs m'ont pas insulté tout ça, alors que tout le monde me dit c'est une grosse raciste et tout quoi, c'est incroyable. Je crois que j'ai eu un coup de bol. Un coup de bol Ouais, monstrueux. ça dépend des gens. Ouais non mais ouais, après ouais, faut dire que je suis resté respectueux, j'ai pas fait chier. Ouais, que... enfin, je sais pas comment dire. Non, mais je comprends, je vois ce Je que les tu ai veux dire. pas Parce que contredits je ou quoi vois que ce comment elle soit, est. tu vois. Après je suis pas trop du genre les foutre le bordel. Donc, En même temps je connaissais personne, je vais pas commencer à foutre Ouais, le pas comme bordel. les. Comme les. Pas comme les paysans là qui sont venus à la cérémonie des flics là. Ouais, alors j'étais plus là, mais j'ai entendu trois trucs quand même. En fait, je les ai vus arriver, j'ai vu comment ils étaient garés devant, et j'ai vu que ça allait commencer à partir en cacahuète, j'ai fait, vas-y, je me tire de là. Prêt à se prendre la tête avec tout le monde. Hein. Ouais, j'ai capté, j'ai vu le truc venir. Bon, il avait un plus intelligent que les autres. Hein. Il a vu que s'il continuait quand ils étaient à la concession à foutre la merde et à insulter, à taper n'importe quoi, ils allaient pas pouvoir acheter leur véhicule ici. Hein. T'aurais dû leur faire comprendre. Bah, je leur ai dit, et ils l'ont compris, Ah, mais ok. les autres, ils cherchaient encore, mais je pense eux, qui est plus leur.
celui qui va plus gérer du coup leur entreprise. Je sais pas si tu as compris. Hein. Et après, quand il est revenu me voir en me disant, ce qu'il me demande, 3 véhicules. Chaque véhicule, c'était 5 500. Oh ouais. Du coup, bah, j'en ai un en stock, mais du coup, bah, j'en rachète 3 pour du coup qu'ils en achètent 3 et que ce mois, il y en a encore un en stock. Je vais les chercher. Je vais chercher le troisième qui veut l'acheter. Il me dit, bon, le troisième, en fait, on va pas le prendre. Il nous intéresse pas. Attention, quelqu'un prendra, t'inquiète pas. Hein? Quelqu'un d'autre le prendra un jour. Mais je leur ai dit, de toute façon, ça se faisait pas. Ils me disent pas non au dernier moment. Ce serait un véhicule plus cher. Ouais, encore là, ouais. De toute façon, t'as vu le Gaxé, tu crois vraiment qu'il t'avait pris des véhicules chers? Non, mais je veux dire que. Je lui ai dit, bah, c'est soit tu le prends maintenant, parce que c'est ce que tu m'avais dit, soit tu le prends pas et moi je pourrais le revendre, mais la prochaine fois que tu reviendras, tu me donneras la somme avant de pouvoir acheter ton véhicule. Mais c'est comme ça que vous devriez fonctionner en fait. Ouais, c'est vrai. C'est ce que tu viens de me dire. C'est plus de la confiance. Non, mais faut pas en fait. Ouais. Mais c'est parce que sinon, faut qu'ils me donnent l'argent. Et après, t'achètes le véhicule. C'est comme ça. Je leur redonne l'argent. Comment ça? Ah oui, parce qu'il faut qu'ils achètent le catalogue. Bah. Bah, oui, c'est ça. Et il faut qu'ils aient une carte de crédit sur eux pour pouvoir du coup remettre, parce que je sais pas si Eric a ce. Tu devrais quand même le faire, hein, parce que ça t'éviterait des merdes, hein, je pense, pour le futur. Ouais, bah je pense. Ouais, qui pense que je connais pas. Tu prends l'argent en caution en fait, tu vois. Voilà, et comme ça au moins, tu vois, le mec, le MS là qui est venu et qui s'est barré après, bah il serait barré, mais il aurait pas récupéré son argent, quoi. Ouais. Non, en fait, tu devrais faire ça, hein, prendre la caution, l'argent en caution, quoi. Ah ouais, tu devrais faire ça. Ouais, mais je vais faire ça pour les prochains. Comme ça va vite calmer les gens qui ont envie de te foutre la merde, quoi. Alors moi, je